Voilà, nous saluons donc tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment depuis la France, la Suisse, la Roumanie, depuis, je dirais, le fond, je dirais, des montagnes, amen, des belles montagnes, de la Kabylie, amen, au Maroc et en Algérie, amen. Nous saluons particulièrement les frères et les sœurs qui sont là-bas, ainsi que ceux de Madagascar. J'ai parlé donc cette semaine à un pasteur fidèle en Kabylie, particulièrement donc en Algérie, ainsi qu'un autre pasteur à Madagascar, à Tamatave, alléluia, et que Dieu bénisse ses frères qui luttent pour la vérité. Ce soir, particulièrement donc aujourd'hui, en deuxième partie, nous allons particulièrement lire un passage dans 2 Timothée, premier chapitre. 2 Timothée, premier chapitre, alléluia. 2 Timothée, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 15. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui écrit donc sa dernière lettre ici-bas sur terre. C'est la dernière que Paul va écrire. On sait qu'il en a écrit 13, et ça c'est la dernière, donc avant sa mort. Sa tête va tomber tranchée par l'épée de Néron dans quelques semaines. Et là, il écrit cette lettre à Timothée. Et au verset 15, il va lui dire, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Des chrétiens. Voyez, entre autres Phigèle et Hermogène. Que le Seigneur répande cependant donc sa miséricorde sur la famille, sur la maison d'Onésiphore. Pourquoi ? Car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Seigneur, nous te bénissons. Dans ces derniers jours, Seigneur Jésus, où tu nous as avertis que l'Évangile serait persécuté, que les chrétiens subiraient des assauts de la part de l'ennemi, Seigneur, nous te prions de nous blinder, nous te prions de nous armer, Seigneur, de la pensée de souffrir. Nous te demandons de nous aider à comprendre cette volonté qui est bonne, qui est la tienne, Seigneur, afin que nous tenions bon dans la tempête, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous te demandons dans ces choses. Amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, j'aimerais ce soir vous parler du prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une belle balade, je dirais, au bord d'un lac. Ce n'est pas, je dirais, une balade dans le parc, hein, ou, je dirais, un pique-nique joyeux où il n'y a aucun problème, où ce n'est que joie. Absolument pas. La vie chrétienne est décrite comme étant un pèlerinage avec, je dirais, des batailles, avec des luttes, avec des combats et possiblement avec des persécutions. Il y a un prix à payer quand on veut rester véritablement fidèle au Seigneur. Est-ce que vous connaissez, et j'ai posé la question dans la première partie, le meilleur moyen pour perdre des amis? Dans le monde, il y a beaucoup de livres et l'un de ces livres est intitulé « Comment se faire des amis ?» Voyez, mais la question est différente ce soir. Savez-vous le moyen comment perdre des amis? Suivre le Seigneur jusqu'au bout. Suivre le Seigneur jusqu'au bout, vous allez voir, je dirais, le driveway de votre maison se vider rapidement. parce que les amis d'auparavant, eh bien, vont vous quitter parce que, à leurs yeux, il semble que vous êtes un fanatique religieux et que, évidemment, vous allez bien trop loin dans votre consécration au Seigneur. Nous avons besoin de ces gens fidèles dans cette fin des temps. Hein. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Et nous avons vu donc dans la première partie que nous devons nous attendre au rejet, c'est-à-dire être repoussé,
être écarté, être renvoyé, possiblement abandonné, chassé éloigné. Et nous savons que lorsque les exigences du Seigneur nous sont présentées, il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il multipliait les pains et les poissons, ça c'était merveilleux, mais lorsqu'il a commencé à parler des exigences pour le suivre, beaucoup de personnes ont dit « cette parole est trop dure, nous ne pouvons pas l'accepter ». Et plusieurs, donc, sont retournés en arrière. Jésus, s'adressant au cercle intime autour de lui, « et vous, mes disciples, présents à côté de moi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme les autres ?» Et Pierre, porte-parole du groupe, « Seigneur, Seigneur, mais à quel autre irions-nous qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia. Il n'y a que Jésus ici-bas sur terre, qui a les paroles de la vie éternelle. Allons-nous nous détourner de la vérité dans ces derniers jours, puisqu'il a été prophétisé qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. Les chrétiens ne supporteront plus la saine doctrine dans les derniers jours, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de pasteurs selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers des histoires à dormir debout. J'aimerais vous dire une chose sûre et certaine, c'est que si vous laissez tomber le monde, si vous laissez tomber l'esprit du monde, le monde vous laissera aussi tomber très, très vite. Mais vous aurez toujours la main secourable de Jésus-Christ si vous accrochez donc au Seigneur. Et évidemment, on sait que l'apôtre Paul a parlé de faux évangiles qui étaient prêchés, de messages qui étaient faux, qui étaient, semblaient justes, avec un mélange, je dirais, de vérité mêlée avec de l'erreur. Et on sait qu'il y a eu, par exemple, Alexandre qui avait un évangile séduisant à l'époque de l'apôtre Paul. Paul en a parlé en disant « il m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Il y en avait d'autres prédicateurs comme Alexandre, il y avait Hyménée, il y avait des gens qui enseignaient un évangile qui satisfaisait, qui contentait les plaisirs de la chair. Imaginez. Donc, c'est quelque chose, alors que la Bible est contraire au plaisir de la chair, à crucifier la chair, ce que la Bible nous demande, eux enseignaient le contraire. Et leur doctrine, donc, enlevait, bannissait toute forme de privation et de souffrance. Alexandre était un séducteur et Paul a dit « il m'a fait beaucoup de mal ». Hyménée, donc, était quelqu'un qui mariait le péché avec l'Évangile. Hyménée, donc, en l'origine grecque de ce nom-là, nous parle du dieu du mariage. Hein? Et donc, Hyménée, c'était un évangile d'amour, de bénédiction, de joie, de fête. Vous voyez, c'était pas, je dirais, un évangile de crucifixion pour crucifier la chair, pour avoir l'approbation de Dieu. C'était le contraire. Donc, c'était un évangile plus moderne, attrayant, charnel, nouveau, évangile de prospérité, donc, qui n'est plus l'évangile de la croix et de la crucifixion du moi. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de son instrument de mort. La croix, à cette époque-là, était l'instrument de mort. Quand on vous clouait sur une croix, vous n'aviez pas l'idée que vous redescendriez de la croix. C'était fini. Et c'est la même chose quand Jésus a dit de nous charger de notre croix. Paul disait que ces deux hommes avaient noyé la vraie foi. Il a dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors l'histoire de sauver, toujours sauver, ça n'existe pas dans la Bible. Vous êtes sauvés tant que vous marchez avec Jésus, tant que vous marchez étroitement avec le Seigneur. Ces deux hommes avaient approuvé le péché. Ces deux hommes, Hyménée et Philette, donc, avaient, je dirais, approuvé, cautionné le péché. Ils n'avaient plus la bonne conscience, ils l'avaient perdu. Ils s'étaient montés eux-mêmes, forgés eux-mêmes, une doctrine de séduction.
Ils avaient rejeté l'apôtre Paul parce que Paul, évidemment, était en prison. Et à leurs yeux, eh bien, leur évangile ne permettait pas la prison. Il n'y avait pas de souffrance. Ça veut dire que si Paul était en prison, ça veut dire qu'il manquait de foi. Hein, il y avait un problème quelque part. Et Dieu ne l'approuvait plus. C'est la raison pour laquelle il était en prison. C'est complètement faux. Voyez. Et beaucoup de ces séducteurs sont encore aujourd'hui parmi nous. Les églises sont pleines. Et j'aimerais vous dire que le problème aujourd'hui, c'est vis-à-vis de la persécution qui s'en vient, elle s'en vient vers l'Église, et le problème, une question a été posée, pasteur, est-ce qu'on doit prier pour que la persécution vienne, ou on doit prier pour que la persécution ne vienne pas? En réalité, je répondrai, je prierai pour que l'Église soit purifiée. Parce que l'Église actuellement, elle n'est pas pure. Il y a des milliers de personnes en Amérique du Nord qui se disent dans l'Église de Dieu et qui sont inconverties, qui ne sont même pas sauvées. Chaque semaine, en Amérique du Nord, vous avez des pasteurs, on entend des scandales, qui sont partis, obligés de quitter leur ministère parce qu'ils ont été pris en adultère ou avec un homosexuel ou quoi que ce soit, et ça a été la fin totale. Donc, ça c'est toutes les semaines, on entend des choses semblables. L'Église a besoin d'être purifiée. Si c'est la persécution, merci Seigneur. J'aimerais bien que ça ne soit pas la persécution, mais si ça prend cela, parce que le Seigneur vient chercher une église pure, propre, sans aucun ride, aucune ride, voyez. Et là, ces séducteurs qui aujourd'hui sont dans les églises et qui annoncent un évangile qui n'est plus l'évangile tout d'abord de la repentance, beaucoup de ces gens sont entrés dans l'église sans passer par la repentance, sont jamais repentis de leurs péchés, ont aimé la musique, ils ont aimé l'ambiance, ils ont aimé les chants, voyez, mais ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Et là, donc ensuite, ils ont continué comme s'ils étaient des chrétiens, alors qu'en réalité, ce sont des païens religieux. Et là, évidemment, on a un problème, parce qu'avoir des païens au milieu des chrétiens, évidemment, ça crée tout un désordre. Et je dirais que beaucoup de ces séducteurs sont encore là aujourd'hui. Il y a beaucoup de, même de supposés chrétiens, qui vont vous rejeter. Ils vont vous rejeter, ils auront honte de vous. Pourquoi? Parce que vous traversez des épreuves, parce que vous avez des difficultés, parce que vous êtes malade parfois, parce que vous souffrez. Et à leurs yeux, ces gens-là, si vous êtes vraiment chrétien, vous ne devriez pas jamais avoir d'épreuves, jamais être malade, jamais avoir de problèmes financiers. C'est un faux évangile, voyez. L'apôtre Paul a eu beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas parce que nous aimons le Seigneur et que nous servons Christ que nous n'avons plus de problèmes. Il est fort possible que nous n'avons jamais eu autant de problèmes qu'en suivant le Seigneur Jésus. Mais gloire au Seigneur. Jésus a dit, vous aurez des problèmes dans le monde. C'est lui, Jésus, qui l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu. Hallelujah. J'aime ce mot. J'ai vaincu le monde. Hallelujah. Quand Jean, dans l'Apocalypse, voit le trône de Dieu, il voit l'agneau de Dieu. Et là, cet agneau se met à parler et il dit, l'agneau qui a vaincu, l'agneau qui a vaincu, merci Seigneur, nous suivons un vainqueur et non pas un vaincu. Colossiens 2 nous dit qu'il a triomphé par la croix des puissances diaboliques, des démons. La puissance revient uniquement à Jésus-Christ. Alléluia. Donc ces chrétiens qui peuvent vous exclure, vous rejeter, évidemment vont attribuer tout ce qui vous arrive, vos souffrances, et vont dire, vous manquez de foi. Et c'est complètement faux. Vous avez la foi, vous croyez dans le Seigneur, mais vous avez quand même des problèmes. Onésiphore, c'est un homme qui a consolé l'apôtre Paul. Vous dites, Paul avait besoin de consoler? Il a eu une vision du troisième ciel. L'Esprit de Dieu l'a emmené jusque là-haut au paradis. Il a entendu des choses inimaginables. Il n'a même pas pu nous les rapporter tellement c'était sublime. Et lui, il avait besoin de consolation. Oh yes! Tant qu'on est les deux pieds sur terre, même si vous avez la tête au paradis, vous aurez besoin d'encouragement et vous aurez besoin de consolation.
Alléluia. Et Paul, il a eu cette âme, voyez, Onésiphore. Alors que tous les chrétiens, imaginez, d'Asie mineure, avaient abandonné l'apôtre Paul. Entre autres, il y avait Phygèle et Hermogène, qui étaient, j'imagine, deux leaders importants. Eh bien, eux aussi avaient abandonné Paul. Et là, on a Onésiphore. Et Paul va dire que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore. Car, parce que, il m'a souvent consolé. J'aimerais remercier tous les chrétiens de l'église du Sentier qui m'ont consolé, souvent. Je dirais quasiment à chaque fois que je viens à une réunion, je suis consolé. C'est une consolation. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime bien l'église. Je suis un homme d'église. J'ai donné ma vie pour l'église. Alléluia. Et au travers des épreuves, au travers évidemment de cette bataille, alléluia, le diable va essayer évidemment d'attaquer le pasteur, d'attaquer le leader. Il va essayer durant la semaine, il va essayer après une réunion, il va essayer avant une réunion, il va essayer n'importe quand, jour et nuit. Voyez, et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs. Amen de vous voir, amen de votre sourire, la joie de louer le Seigneur d'une consolation à mon cœur. Alléluia. Parce que je sais qu'un jour, nous serons tous devant le Seigneur en train de le bénir. Alléluia. Et les difficultés de la terre seront toutes terminées. Merci Seigneur. Onésiphore m'a souvent consolé. Paul, ayant besoin de consolation, y aviez-vous pensé que Paul avait besoin d'être encouragé, hein? Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul dit, Onésiphore n'a pas eu honte de mes chaînes. Pourquoi il dit cela? Parce que beaucoup de chrétiens avaient honte de Paul. Ah, Paul, tu sais pas ce qui est arrivé? Non, il est en prison. Oh, c'est terrible. Moi, je le connais plus. Je veux plus faire partie d'un pasteur qui est en prison. Vous voyez comment que les choses tournent vite, hein? Et là, donc, Onésiphore avait consolé l'apôtre Paul. Il avait appris, alors qu'il était loin, alors qu'il était possiblement dans la région de Colosse, hein, quelque part, hein, il a fait le voyage, il a pris le bateau, et il est allé jusqu'à Rome avec un seul but. Je veux rencontrer l'apôtre Paul, je veux le voir, et je veux aller le consoler. Onésiphore m'a souvent consolé. Et lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché. Il a cherché Paul, dans la capitale. Rome avait environ 1 million de personnes. Il a cherché. Où est-ce qu'il avait entendu parler d'un homme qui se dit chrétien, un pasteur, qui parle de Jésus, tout ça? Est-ce que vous savez? Il a cherché Paul. Il a essayé de rencontrer les chrétiens. Alors, où était-il? Dans un temps de persécution aussi. C'est Néron qui régnait. C'est lui qui mettait les chrétiens, il les faisait brûler sur des poteaux. Après les avoir pitchés avec de l'huile, voyez, pour éclairer ses jardins, pendant que monsieur avait sa harpe, sa guitare, et qu'il jouait et il louait les dieux de Rome. Et pour l'éclairer, c'était les chrétiens. Les chrétiens qui étaient lumière jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Onésiphore avait fait le voyage. Il avait trouvé Paul à Rome. Alléluia. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, dit Paul, et il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Imaginez le moment où Onésiphore a vu l'apôtre Paul. Paul ! Ils sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Et ils sont serrés comme des frères. Comme les écailles de crocodile, où l'air ne pourrait pas passer au travers. Merci Seigneur. L'amour chrétien. Vous savez ce que les païens disaient des chrétiens au premier siècle ? Pas beaucoup de choses, mais une seule. Regardez comme ils s'aiment. Regardez comme ils s'aiment. Regardez leur amour. On n'a jamais vu ça. C'est un groupe spécial. Hallelujah. Chers amis, les païens ne seront pas touchés parce que nous avons des miracles. Aux Indes, ils ont des miracles aussi. Ils ne seront pas plus touchés, je dirais, parce que nous exerçons des dons spirituels. Ils seront touchés en voyant que nous nous aimons les uns les autres. Regardez-moi ça. Regardez comme ils s'aiment. L'amour, ça se voit. Alléluia au Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur pour l'Église du Sentier parce qu'il règne cet amour au milieu de nous. Il est répandu par le Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et ces fameux chrétiens de la fin des temps,
qui sont tièdes, rétrogrades, apostats, ou peut-être même pas sauvés, eh bien, ils vont penser que vous n'avez pas reçu la révélation que eux ont reçue, le rêve qu'ils ont eu cette nuit, ainsi de suite, que, eh bien, eux, ils détiennent, je dirais, toutes les clés sur la maladie et la souffrance. J'ai dit super. Mais nous n'avons pas les clés. Il y a des chrétiens qui sont malades et qui sont restés malades jusqu'à la mort. D'autres ont été guéris soudainement, en l'espace de 30 secondes, même pas. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Mais nous voulons continuer, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, à servir le Seigneur jusqu'au bout. C'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important. Alléluia. Mais ces super chrétiens, ils pensent, ils ont étudié, ils ont eu la révélation, sont allés là-bas voir monsieur un tel un grand prédicateur, et là, ils savent tout sur la guérison, tout sur la maladie, ils savent tout sur la souffrance. L'apôtre Paul a écrit en disant, armez-vous, armez-vous. Ça veut dire aux armes, citoyens, aux armes, chrétiens. Comment s'armer ? Armez-vous avec une pensée. Laquelle ? Armez-vous avec la pensée de souffrir. C'est bien écrit. 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. Armez-vous avec la pensée que vous allez souffrir, que vous allez être rejeté, que vous allez être exclu, qu'on ne vous aimera pas. Nous, nous aimerions aimer, nous aimons tout le monde, mais eux ne vous aiment pas. Il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Jésus a dit, s'ils ont haï le maître de la maison, le serviteur n'est pas plus grand, pas plus fort que le maître. Donc, Pierre va dire, vous vous réjouissez de ce salut que vous avez dans votre cœur et qui bientôt sera totalement et complètement révélé. Mais en attendant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés par diverses épreuves. Vous êtes attristés. Il y a des épreuves, spécialement parce que nous sommes chrétiens, eh bien, on peut être haï, rejeté. Et c'est Paul et Barnabas qui visitaient les églises, et lorsqu'ils exhortaient les jeunes chrétiens, ils leur disaient que c'est par beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup d'épreuves. Nous ne les cherchons pas, elles arrivent toutes seules, voyez. Nous ne les demandons pas, nous ne prions pas, Seigneur, j'aimerais avoir une épreuve cette semaine. Non, non. Mais elles s'en viennent, puisqu'il le faut. C'est ça que Pierre dit, il dit ces mots, puisqu'il le faut. Et pourquoi Jean était-il sur l'île de Patmos? Tiens, il était dans un camp de concentration. La Bible dit à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Le monde de son époque n'aimait pas la parole de Dieu. Et le monde d'aujourd'hui n'aime pas plus la parole du Seigneur. Jean l'apôtre, imaginez, il a écrit l'Évangile, il a écrit l'Apocalypse, il a écrit 1, 2, 3 épîtres. Il a écrit 5 éléments du Nouveau Testament. Le bien-aimé de Jésus. Il était sur l'île de Patmos. Et vous dites, ben Jean, il devait visiter toutes les églises et tous les pasteurs devaient lui ouvrir les portes. Eh bien non. Certains pasteurs disaient, Jean, on n'en veut pas. Ouais. Ils ne voulaient pas que Jean l'apôtre vienne prêcher dans leur église. On va le lire. Et leur pasteur s'appelait Diotrephe. Troisième épître de Jean, juste avant l'épître de Jude, troisième épître de Jean, verset 9. Qu'est-ce que Jean déclare? Il va se plaindre vis-à-vis d'un pasteur qui s'appelle Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qu'est-ce qu'il aime? À être le premier parmi eux. Oups! Déjà, nous voyons l'orgueil.
Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Ne nous reçoit point. Donc, il ne recevait pas la peau de Jean. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. My! Imaginez, vous avez un Diotrephe qui veut être le premier, qui ne reçoit pas l'apôtre Jean, qui veut rien entendre de la prédication, ce grand homme de Dieu, et en plus, des chrétiens qui voudraient entrer dans l'Église, il les chasse. Chers amis, ça n'a pas changé. Encore aujourd'hui, on a cela. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir qu'il faut s'attendre à être exclu. S'attendre à être exclu. Exclu, on parle d'exclusion. On parle de rejet. On parle d'être renvoyé, d'être banni, d'être chassé, d'être éloigné, évincé, d'être écarté. Et Jésus lui-même a averti ses disciples sur la persécution qu'ils devraient affronter. Il a dit, il a prédit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Tout est à l'envers. Exclu des lieux de Dieu, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, on parle de tuer, croira rendre un culte à Dieu. Croira en tuant. Il va penser que c'est merveilleux, Dieu accepte ça. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant des rois, à cause de moi. À cause de moi. Voilà la raison, c'est toujours Jésus. Il faut que ce soit la raison, il faut que ce soit Jésus. Ça, c'est une bonne raison. Vous vous rappelez l'histoire des parents de l'aveugle de naissance, cet homme-là, ou ce jeune homme, qui avait été, je dirais, guéri de sa cécité. Eh bien, les gens religieux sont venus voir les parents et ont dit, « Ouais, mais votre fils, tout ça, qui a été guéri, on a un problème, ce Jésus-là, c'est qui ? C'est lui qui a guéri votre fils, tout ça, hein ? Comment ça s'est passé ?» Et il a dit que ses parents, donc, dirent, « Nous ne savons pas. » On ne sait pas. Interrogez-le vous-même. Vous savez pourquoi les parents ont dit « nous ne savons pas » ? Ils savaient très bien les parents, mais ils ont dit « nous ne savons pas ». Parce que ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des juifs religieux. Parce que les juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous ne pouvez plus entrer ! Est-ce que vous croyez dans ce Jésus qui va dans les rues, qui au bord de la mer, tout ça fait des miracles, ça? Oui, nous y croyons. Hop, terminé, vous ne pouvez pas rentrer ici. Voyez. Donc les parents, quand les Juifs sont venus, votre fils a été guéri, comment? On ne sait pas. Parce qu'ils voulaient préférer rester dans la synagogue. Ils ne sont pas appuyés sur le Seigneur Jésus. Alors ils sont allés vers le fils. Ils ont dit, comment ça s'est passé? C'est qui t'a guéri? Voyez, donne gloire à Dieu! Nous savons que cet homme, ce Jésus, est un pécheur. Ah ouais? Il dit, je ne sais pas, mais c'est une chose, j'étais un aveugle, et maintenant je vois. Je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Alors, il a bien répondu, merci Seigneur. Ensuite, ils ont essayé de dénigrer Jésus, voyez. Et ils lui ont dit, hey, tu vas nous enseigner. Tu n'es pas capable de nous enseigner, c'est nous qui enseignons, voyez. Donc, on voit que l'exclusion, c'est quelque chose de terrible. Ici, avec l'Église catholique romaine, lorsque l'Évangile a commencé à pénétrer dans le Québec, beaucoup de gens croyaient dans l'Évangile
qui était prêché, que les pasteurs prêchaient. Mais ils ne voulaient pas quitter l'Église catholique de peur d'être exclus. Parce que l'Église catholique avait dit, si vous croyez là-bas, à la petite mitaine, là-bas, la petite, au lieu de dire meeting, vous voyez, c'était parce que les chrétiens, c'est des meetings, des réunions. Hein? Donc on disait les églises mitaines, meeting. Lorsque vous allez mourir, vous ne serez pas enterré dans la terre bénie, la terre sainte du cimetière. On va vous enterrer à l'extérieur du mur. Alors, chose terrible, voyez. Donc, beaucoup de personnes qui pourtant savaient que l'Évangile était donc vérité, eh bien, avaient peur d'être exclus. Exclus. N'ayez pas peur de l'exclusion. Amen. Tant que vous n'êtes pas exclu du ciel, c'est ça qui est le plus important. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, vous souveniez que je vous les ai dites. Alléluia. Donc, Jésus a dit, ils feront cela parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni le Fils. Ils ne connaissent ni le Père, ni le Fils. Alléluia. Je sais une chose. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Tous les véritables chrétiens ont ce témoignage dans leur cœur. Nous étions des aveugles spirituels. Et maintenant, nous voyons, nous comprenons, nous savons. Alléluia. Le voile qui voilait nos pensées est tombé maintenant. Et maintenant, nous comprenons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, je dirais, ce jeune homme qui a été guéri de sa cécité, eh bien, représente, on peut dire, les chrétiens de la fin des temps. Les chrétiens de la fin des temps, leurs yeux se sont ouverts à la sainteté de Dieu. Et ces gens-là témoignent, comme ce jeune homme. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ils rendent gloire à Dieu. Hallelujah. Il faut savoir que beaucoup de personnes autour de nous n'accepteront pas ce témoignage. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ils ne veulent pas croire en cela. Et ils vous chasseront. Et ils diront, comme ils ont dit à cet homme guéri, « Tu nous enseignes ?» Si votre intention dans votre cœur est de rester fidèle à Jésus jusqu'au bout, vous devez vous préparer dans votre cœur et vos pensées à supporter les souffrances que Jésus lui-même a subies. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Pas plus que le maître. Oui. Si le monde vous hait, on n'aime pas se faire haïr. Mais si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Qu'il m'a haï avant vous. Et ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Qui faisait des reproches à Jésus? Qui le reprenait? Qui a couvert de honte sa tête avec la couronne d'épines? Qui calomniait le nom de Jésus? Des gens religieux et égoïstes. C'est eux. Et il en sera pour nous exactement comme il en a été de Jésus qui a subi la persécution. Si le monde l'a persécuté, l'a accusé, l'a calomnié, l'a rejeté, alors ce même monde va agir de la même façon envers nous pour tous ceux qui renoncent à eux-mêmes parce qu'ils aiment le Seigneur. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont une faim terrible et une soif terrible de la parole de Dieu. Mais ils disent le problème, pasteur, mon église est sans vie, il n'y a pas de vie dans mon église. Que faire? Que faire? Eh bien, la réponse, elle est dans les actes. Dans les actes. Car l'apôtre Paul, dans les actes des apôtres, visitait toutes les nouvelles synagogues qu'il rencontrait sur le chemin et s'efforçait de convaincre tout fidèle qui était tiède de qui était vraiment Jésus-Christ. Et souvent, Paul a été chassé. Souvent, Paul a été chassé. Alors, faites exactement comme Paul et Barnabas ont fait. Ils ont secoué leurs souliers, la poussière,
comme avait dit Jésus. Partez, partez. Lorsque à Antioche de Pisidie, les apôtres étaient là, il est dit qu'il y a eu une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Ils les chassèrent de leur territoire. C'est quand la dernière fois vous avez été persécuté? Quand? La plupart ne l'avons pas été. La plupart ne le sommes pas. Pour l'instant, ça va très bien. Alors continuons à témoigner le nom du Seigneur. Continuons à servir le Seigneur avec joie. Ils les chassèrent de leur territoire. Il est dit que Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds. La poussière de leurs pieds. Paul et Barnabas ont dit avec assurance à ces religieux, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, voici, nous nous tournons vers les non-juifs. Vous n'en voulez pas? On va se tourner vers d'autres personnes qui vont en vouloir. Si vous appartenez à une assemblée, écoutez bien, à une assemblée qui connaît la vérité, à une communauté qui a déjà dans le passé entendu la vérité, mais une église qui aujourd'hui refuse la vérité, quittez-la. Vous ne devez plus rester là. Parce que vous allez mourir. Vous ne pourrez rien changer. Si ce sont vos amis qui vous tiennent, alors vous êtes en danger. Ça veut dire que vos amis ont plus d'importance que la vérité du Seigneur. Vous ne pourrez rien changer à ces églises apostates. Mais eux pourraient arriver très rapidement à vous transformer. Quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'association entre la justice et le péché? Entre la communion, entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucune communion. Aucune communion. Alors la Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est la Bible qui commande. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Alors, vous devez vous attendre à quoi? Le dernier mot, lapider. Vous devez vous attendre à la lapidation, à être attaqué, à être maltraité, à être rejeté, à être exclu. Si vous persévérez dans votre engagement envers le Seigneur Jésus, si vous tenez bon, si vous ne reculez pas, si vous ne vous détournez pas de votre engagement, alors en plus, cette même majorité religieuse sera prête à vous lapider. À vous lapider. Vous ne connaissez pas le cœur de gens religieux. C'est très mauvais, c'est très méchant. Les gens religieux perdus, c'est des païens. Il n'y a que les chrétiens nés de nouveau qui ont été changés dans leur cœur et dans leurs racines. La Bible dit qu'ils lapidèrent Étienne, qu'ils priaient. Un homme en train de prier, et on prend la pierre, et bang, 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 le sang coule de partout. L'homme tombe à terre. Lapidation. Ils lapidèrent Étienne, un homme de Dieu, qui priait. Qu'est-ce qu'il priait? Il a entendu la prière, il ne peut pas la supporter. Seigneur Jésus, reçois mon esprit et pardonne leurs péchés. Comme Jésus sur la croix, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Ils fermaient les oreilles. Ils ont commencé à crier. Ils ont pris des pierres. Et en Moyen-Orient, il y en a des pierres partout. Mais Étienne, fixait les regards sur le ciel, dit, « Je vois Jésus debout à la droite de la majesté de Dieu. » Encore plus, bing, bang, bang, bang. Tu vas te taire. Tu vas mourir. Lapider. Ils vous lapideront. Qui a lapidé Étienne? C'est le conseil religieux le plus prestigieux
à cette époque. Le Sanhédrin. Le Sanhédrin. Étienne a tenu tête à l'ensemble du système religieux de son époque, tout seul. Il avait les yeux fixés sur Jésus et il était haï par ceux qui disaient aimer Dieu. Haï par ceux qui disaient aimer Dieu. C'est un paradoxe. Un paradoxe. Étienne, il a vu le venin de ces gens religieux. En entendant les paroles d'Étienne, parce qu'Étienne leur a dit les quatre vérités, voyez, il ne mâchait pas ses mots non plus, c'est un vrai prédicateur. Et il a dit qu'en entendant les paroles d'Étienne, ils étaient furieux. Furieux, ça veut dire exaspérés dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Déjà, c'était le grincement de dents de l'enfer. Des gens religieux grincer des dents contre lui, ils ont poussé des grands cris, sont bouchés les oreilles, sont précipités tous ensemble sur lui, l'ont traîné en dehors de la ville et ils l'ont lapidé. Lapidé. Que faisait donc Étienne pour mettre à ce point des foules en colère? Pas grand-chose. Il suffit de prêcher la vérité. Il suffit de prêcher la vérité, et cette vérité est en train de les toucher au plus profond de leur cœur. Vous savez, dans sa prédication, il leur a dit, « Vous êtes des gens avec le cou raide. » Ils n'ont pas aimé ça. Il leur a dit, « Vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. » En plus, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, exactement comme vos pères se sont opposés au Saint-Esprit. Vous avez reçu la parole de Dieu sur l'ordre des anges, mais vous n'avez pas gardé. Ils n'ont pas aimé ça. Au lieu de se repentir, dire, Étienne, tu as raison, c'est vrai, pardon. On va se mettre à genoux, on va prier, Seigneur, pardonne-nous. Non, pas du tout. Le cœur de ces prêtres, de ces sacrificateurs, était encore attaché au plaisir du monde. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils refusaient d'y obéir. Et maintenant, la vérité de la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant, vient ouvrir leur cœur et leur pensée. La fureur est déclenchée, furieux. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois les cieux ouverts. C'est merveilleux. Alléluia. Imaginez les pierres, les caillasses et tout ça, et le sang qui coule. Étienne s'en fout complètement. Et je dis et je répète, c'est à peu près comme si on recevait des morceaux de coton sur lui. Il voit la gloire de Dieu, il est dans la gloire déjà. Voyez. Qu'importe le corps. Lui, le vrai Étienne, son âme était déjà en présence. Il voyait le ciel ouvert. Jésus, il le voyait debout, pas assis, debout. Ça veut dire que Jésus, qui était assis auparavant, s'est mis debout pour recevoir le premier martyr qui montait de la planète Terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vois les cieux ouverts. Réaction de ces gens-là, ils sont bouchés les oreilles. Ils ne voulaient rien entendre. Ils sont bouchés les oreilles, ils sont tous précipités sur lui, l'ont chassé et l'ont lapidé. Pour nous, ce n'est peut-être pas une lapidation au sens propre du terme, avec des cailloux. Il faut comprendre, comprends ce que je dis, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Aujourd'hui, chers amis, ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent leurs flèches, leurs paroles amères, voyez, acerbes, ils lancent, ils lapident avec des mots, avec des paroles. Peut-être qu'un jour ce sera autre chose. En attendant, on reçoit, le chrétien reçoit ses paroles, ses flèches, et il doit lever le bouclier de la foi. Quand on a de l'amertume dans le cœur, quand le cœur de quelqu'un est dévoilé, ou bien la personne se repent et devient plus douce, et humble, ou bien la personne devient dure, méchante
et amère et vengeresse. Ils ont lapidé l'apôtre Paul à Lystre. Vous savez après quoi? Après qu'on a pris les gens de la ville de Lystre, ont pris l'apôtre Paul pour Mercure, le dieu Mercure. Mais c'est Mercure qui est descendu parmi nous. Il y a un homme qui a été guéri, un homme qui a été totalement bouleversé, boiteux de naissance. On le connaît, boiteux de naissance. Et là, il marche parfaitement. Et ça, c'est parce que cet homme est venu en ville avec Barnabas. Et ils appelaient Barnabas Jupiter, le dieu Jupiter. Barnabas, vous êtes le dieu Jupiter. Ils étaient quasiment à se mettre à genoux devant Barnabas. Et devant l'apôtre Paul, ils l'appelaient Mercure. Ils ont même fait venir, parce qu'ils n'étaient pas loin d'un temple païen, ils ont fait venir des bœufs qui étaient là, prêts à les sacrifier pour ces deux hommes, deux prédicateurs. Et imaginez qui arrivaient, et ils ont mis des colliers de fleurs autour de ces bœufs, donc, prêts à faire un sacrifice, parce que les dieux étaient descendus et qu'il y avait eu une guérison. Lorsqu'il y a un miracle, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Mais lorsqu'ils se rendent compte du prix à payer pour suivre le Seigneur, ils sont prêts à prendre des pierres. L'instant d'après, vous lapidez et vous chassez. C'est ce qui est arrivé pour Paul. À un moment donné, ils sont en train d'élever Pierre et Paul et Barnabas jusqu'au troisième ciel. Et l'instant d'après, alors que Paul leur dit « Non, ne faites jamais ça. Nous sommes des hommes comme vous. » Mais c'est Dieu qui vous donne les saisons, la pluie en leur temps. C'est lui qui vous donne le mouvement, l'être. Non, on vous demande de renoncer à ces choses vaines. Oh, oui. Ensuite, les Juifs sont arrivés en disant, vous ne savez pas, ces deux hommes sont des faux prophètes. Ils viennent de tel endroit, tout ça. Là. Vous ne les écoutez pas, ça. C'est des gens complètement faux. Ah oui, oh, on prend les pierres. Là, ce n'est plus des dieux, là, c'est des démons. Et là, on les lapide. Et Paul tombe sous les pierres. Il y a une lapidation qui arrive. Et il est dit, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Les païens, leur veste est retournée en une minute. Ne vous fiez jamais aux gens. Fiez-vous toujours au Seigneur. Les gens vont vous lapider. Hein? Et le moment d'avant, ils vous ont élevé comme étant des petits dieux. Et c'est un enseignement faux qui circule dans les églises que vous êtes des petits dieux. Satan prend des passages torts des versets de la Bible en disant aux gens qu'ils sont des petits dieux. Vous ne serez jamais des petits dieux. Nous ne sommes pas des petits dieux. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dans la parabole des vignerons, on voit un patron qui possède une vigne et quand le temps de la récolte est arrivé, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne, la vendange. Et le vigneron qui avait charge de la vigne s'est emparé des serviteurs, a battu l'un, a tué l'autre et a lapidé le troisième. Dieu, aujourd'hui, c'est pareil. Il a envoyé ses serviteurs pour ramasser les fruits de sa vigne. Et pour tout accueil, qu'est-ce que nous avons? Des paroles injurieuses, outrageuses, cinglantes, parfois remplies de haine. La Bible dit de n'avoir rien à voir à faire avec un frère, un supposé frère, qui se nomme frère, mais qui est outrageux. Outrageux. Voyez, rien à voir à faire avec ça. Rien. On sait que Josué et Caleb, c'était deux hommes qui ont eu la foi, qui ont dit « Montons, emparons-nous du pays ». Et lorsque les autres ont dit « Non, c'est impossible, on ne pourra pas, c'est des géants, les villes sont fortifiées, tout ça », il est dit que le poison d'incrédulité a tellement rentré dans toute l'assemblée, 2 millions de personnes, que toute l'assemblée d'Israël parlait de lapider Josué et Caleb.
Et au moment où l'assemblée parlait de prendre des pierres et de lapider ces deux hommes qui croyaient véritablement dans les promesses de Dieu, la gloire de Dieu apparut soudainement sur la tente d'assignation devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il, m'outragera-t-il, ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai accomplis ?» C'était l'incrédulité. Et s'il y a une chose que Dieu est, c'est l'incrédulité. Jusqu'à la fin, nous devons absolument marcher par la foi. Par la foi, jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, on voit que cela peut nous arriver. Notre réponse, quand on a des gens qui nous chassent, nous excluent, nous rejettent, hein, ou nous lapident, quelle est notre réponse, notre réaction? Eh bien, j'aimerais vous dire, nous devons réagir de la bonne manière quand nous subissons ces épreuves, c'est-à-dire comme Jésus. Comment Jésus a-t-il réagi? Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Nous ne devons pas maudire ceux qui nous insultent. La Bible dit de prier pour ceux qui vous maltraitent, de prier pour ceux qui vous persécutent. Insultez, nous bénissons. Persécutez, nous supportons. Nous supportons. Nous n'avons évidemment aucune sympathie pour ces soi-disant hommes de Dieu, les prophètes, je dirais, à la sauce béchamel, hein, qui rendent, eux, coup sur coup, qui maudissent. J'en ai entendu un qui a dit, « Je maudis ceux qui s'opposent à mon ministère. » Mais c'est contre la parole de Dieu. C'est bénin. Ouais. Je peux vous le dire, c'est un faux prophète. « Je maudis !» Maudire ? Une parole semblable dans la bouche d'un prédicateur de Dieu. Non. Aucune sympathie pour ces gens-là. Ils font des menaces. Ils sont prétentieux. Ils sont orgueilleux. Ils profèrent des malédictions. Les véritables hommes de Dieu n'ont pas d'orgueil spirituel. Étienne n'a maudit personne. Paul n'a maudit personne. Et pourtant, ils ont été lapidés. Voyez. Shimei est un homme qui a lapidé, qui a voulu lapider David. Rappelez quand David a quitté Jérusalem, alors que son fils Absalom avait renversé son trône. Il y avait un homme qui le suivait le long du chemin, il s'appelait Shimei. Et il prenait des pierres, et il prenait la poussière, il faisait revoler la poussière. Et il envoyait des pierres sur David. Maudit David, tu le mérites, c'est Dieu qui te châtie, regarde ce qui t'arrive. Et ainsi de suite. Aïe. Il était debout sur une colline et il jetait des pierres au roi David. Le chef d'armes de David s'appelait Abishai. Abishai a dit, David, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi donc passer pour aller lui couper la tête. Et David a répondu, laisse-le, et qu'il maudisse. Dieu ne me fera-t-il pas justice en retour des malédictions d'aujourd'hui? Savez-vous comment cet homme est mort? C'est Salomon. Salomon, après la mort de David, a fait quelque chose de particulier. C'est que David, son père, avait averti, « Mon fils, quand tu seras sur le trône, méfie-toi de Shimei. » Alors, quand Salomon est arrivé au pouvoir, il a fait venir Shimei. Il dit, « Shimei, écoute bien. Tu vas te bâtir une maison à l'intérieur de Jérusalem. Tu vas y demeurer et tu n'en sortiras pas pour aller de côté ou d'autre. Et sache bien que le jour où tu vas sortir de ta maison, tu vas mourir. » Ok, il a dit, il n'y a pas de problème. C'est bien. Ton serviteur fera ce que le Seigneur mon roi a déclaré. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il y a 2 de ses serviteurs à Shimei qui sont partis dans une ville extérieure. Shimei
Il est allé les récupérer. Il est sorti de Jérusalem pour aller récupérer ses serviteurs à lui. Salomon a entendu parler de ça. Il est en train de revenir à Jérusalem. Ça veut dire qu'il est sorti. Ah oui? Alors, il l'a fait venir, Salomon. Viens ici, Shimei. Salomon sut que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel? T'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. » Et ne m'as-tu pas répondu, « Oui, oui, c'est bien. » Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni. » Et il dit, le roi donna ses ordres à Benaïa, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. Et j'aime le verset qui suit. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Quand le méchant périt, la justice s'élève et s'établit. Lui qui tirait des pierres au béni de Dieu. C'est dangereux de tirer des pierres sur un homme de Dieu. Très dangereux. Pas d'orgueil spirituel. Ne pas avoir d'arrogance. Alléluia. On est obligé de constater qu'il faut payer un prix pour suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer. Notre fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les plus grandes. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites, impossible de l'être dans les plus grandes. Nous recevons, je dirais, quand nous sommes fidèles, en même temps, une bénédiction. Il est dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi ? Afin d'hériter la bénédiction. Veux-tu hériter la bénédiction ? Ne maudis pas. Ne maudis personne. Ce n'est pas maudit ci, maudit ça. Non. Ne maudis rien ni personne. Quelle est la bénédiction ? Afin d'hériter la bénédiction. Quelle bénédiction ? Quelle récompense ? Simplement avoir Jésus à nos côtés. Avoir Jésus à nos côtés, c'est une bénédiction inimaginable. Je suis avec vous tous les jours, a dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et on sait particulièrement que d'avoir Jésus à nos côtés, eh bien, c'est d'accepter à bras ouverts la fidélité au Seigneur. Et ainsi, nous lui ressemblerons. Sa présence inestimable sera à nos côtés. Il l'a promis. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Quand nous avons chancelé, c'est qu'il n'était pas à notre droite. Amen. Quand il est à ma droite, quand il est autour de moi, je ne chancelle pas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Oui, on sera peut-être rejeté. Oui, on sera peut-être exclu. Oui, on sera peut-être lapidé. Ça n'a aucune importance parce qu'au-dessus de nous, le ciel sera ouvert et nous verrons Jésus debout à la droite du Père qui nous accueillera. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier pour tes bienfaits innombrables. Tu es le Dieu qui nous a déclaré d'avance tout ce qui pourrait nous arriver. Et nous le savons, et nous voulons être prêts, Seigneur. Et nous voulons ceindre notre entendement, Seigneur, nos pensées. Alléluia. Nous voulons nous armer de la pensée de souffrir, d'être exclus, d'être mis de côté, d'être rejeté, même par des supposés chrétiens. Nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons être bouillants et non pas tièdes dans cette fin des temps. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.